Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve sur Minecraft pour une nouvelle découverte d'une map parc d'attractions. Attendez les amis, j'ai encore mon skin de Noël, je sais. Alors écoutez, c'est encore l'hiver, pendant quelques jours, d'accord. Donc je garde ma tenue un petit peu hivernale. Bon d'accord, j'ai le chapeau de Noël, bref. Mais dans quelques temps, on va passer en mode Tiki Summer, ne vous inquiétez pas, ça va nous faire du bien. J'espère en tout cas que vous êtes au taquet, moi je suis au taquet, vous savez que j'adore. Pourquoi j'ai pas de shader? Attendez, ça ne va pas. C'est quand même mille fois mieux. Je disais, vous savez, voilà, que je suis excité dès qu'on se retrouve sur Minecraft un petit peu, où je suis là en train d'explorer des maps et tout. Celle-là a été créée par Xenos2000 et ApsiGame qui m'ont déjà créé des maps à l'époque, les amis. Et ce parc d'attractions s'appelle Ardia Land. Le lien sera en description. Pour m'envoyer vos maps, ça se passe sur mon site internet mcolo.fr. Et nous, on va découvrir cette map qui est apparemment gigantesque. Ok, bah les gars, on est parti. On va visiter le parc d'attractions. C'est une très bonne idée d'avoir donné du speed boost ici. C'est beaucoup moins chiant, là il y a quoi, c'est un shop, il y a un magasin, bah écoutez les gars, là il y a un petit parc pour enfants, donc c'est plutôt cool, hein, les chevaux là, tu sais qui, ah c'est bien fait, c'est relativement bien fait, là j'imagine c'est un hôtel, très sincèrement c'est un hôtel, pour pouvoir évidemment séjourner, là c'est donc un petit shop je pense, ok très bien, un petit shop c'est écrit en fait, non c'est pas là le shop. Ça a l'air d'être en construction, il y a une grue aussi, donc bah très bien, ok, très bien, très bien. Nous, on va reprendre la route principale et on va directement rentrer au sein même du parc parce qu'à la base, on est là pour ça. Vraiment, la vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. Je suis pas persuadé qu'on pourra faire toutes les attractions, mais on va essayer d'en faire un maximum, comme dit la map est en description. Donc les gars, n'hésitez pas à aller l'essayer par vous-même si vous trouvez ça intéressant. Alors, on est là, bonjour messieurs. Ah, c'est donc là l'entrée, enfin les entrées, d'accord. Donc pour rentrer dans le parc, il faut aller là. Enter. On peut aller là où on veut, en fait. Soit à droite, soit à gauche. Et là, ça va où tout droit? Où est-ce que... Moi, vous savez, j'aime bien explorer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh! Un parking. C'est un parking souterrain. Eh ben, d'accord. Ok, ben voilà où il est le parking. Trop bien, d'accord, trop bien. Et... Ah, merde. Ah. Oh, j'ai cru qu'on pourrait plus rentrer à l'intérieur du parc, j'avoue, j'étais pas très bien les amis. Ok, c'est sympa, ça c'est bien pensé. Un petit parking souterrain, ça c'est la sortie. Allez, c'est parti, vous avez une petite pub, hein. Vous l'avez vu, pour faire un don à Xenos. Par contre, ApsiGame, bah, il peut aller se faire foutre apparemment. Ok, bah écoutez, on va rentrer dans le parc directement, on voit le plan du parc juste ici, c'est incroyable. Une map de type ronde. Oh, je crois reconnaître avec quel logiciel ça a été fait. À moins que ça n'a pas été fait avec un logiciel et je dis de la merde. Mais je pense que si. Je pense que si. Vous me direz si je me trompe. Bon, on est où là? On est où? On est... hop. Ah bah on est là en fait, on est en plein milieu là. Oui, on est là. On pourrait être là de l'autre côté, mais on est là. Sur la place centrale, très bien. En fait, le parc, d'accord, le parc est gigantesque. C'est-à-dire que là, il y a un village... Là, il y a un village, mais en même temps... mais je comprends rien. Ça, c'est une attraction. Ce parc est gigantesque. Ce parc est gigantesque, les gars. Bon, bah, let's go. On va explorer la partie gauche, déjà. Ce sera déjà pas mal. Bah, en vrai, on va un peu se balader comme ça. Et puis après, on se téléportera directement dans les attractions. Ah, quartier Far West, quartier mythologie. Eh bah, direction quartier Far West, les gars. Parce qu'on aime le Far West, nous. Alors... Daily Star, et eh ben c'est parti pour le Daily Star, qui veut dire l'étoile du jour, ou alors la star du jour, ou alors l'étoile du jour, non c'est ce que je viens de dire, et eh ben c'est parti, oh c'est trop stylé, les wagons comme ça en 3D, allez c'est parti, ah oui les rails elles sont en 3D, ah oui il y a un ressource pack, attends, il y a un truc qui m'échappe, comment il a fait pour, what? Mais non. Mais non, mais c'est trop bien fait. Mais non. Ah ouais, non mais attendez. On n'en voit rien, on est dans les mines quoi, on est dans les mines. Là on fait sens inverse. Là, on fait le sens inverse. Il y a le bruitage de la chaîne quand ça monte et tout.
Ah non, c'est pas sens inverse, j'ai un dit. Oh, on voit un peu mieux le parc. Mais attendez, mais ça me dégoûte de Tiki Land. Comment ils ont fait ça? Oh les bâtards, vous êtes trop chauds. Ça, c'est trop bien, ça. Oh, c'est quoi, ça? Dans les canyons. Canyon miniature. Je crois qu'il y a eu un cadavre. Les petites caméras. Et du coup, ça fait que l'attraction, elle dure plus longtemps aussi. Le fait qu'il y ait ces machins là, ça gère totalement la vitesse quoi. Attends, mais elle est gigantesque l'attraction. Attends, on a commencé là non? Alors je suis désolé les gars pour le peu de commentaires que je risque de vous faire durant cette vidéo parce que je suis littéralement émerveillé. Ah non, on est là, c'est bon, c'est la fin. Attendez, mais... qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais comment ça se fait? Alors je vous explique, je n'ai installé aucun mode, hein. C'est-à-dire que moi, pour moi, je suis en vanilla, j'ai juste Optifine d'installer. Ça veut dire que moi, les gars, j'ai décroché Minecraft, je ne sais plus comment ça fonctionne. Donc les gars, est-ce que ça veut dire qu'il y a des mods, mais que j'avais pas besoin d'installer, mais qu'ils se sont installés tout seuls alors? Mais c'est un truc de ouf, mais... ah ouais, mais c'est... mais non, mais moi je savais pas qu'on pouvait faire ça aussi. Ah mais ça change tout, ça remet tout en question. Bon les gars, Tiki Land, de toute façon on assume et c'est en vanilla, tu vois. Mais par contre, quand tu vois ça, les gars, quand tu... comment ça se fait que... regardez, il y a même pas besoin de faire de descente, il y va tout seul. Regardez, je ne suis pas dans le minecart et il continue. Ah ouais, non mais ça dé... c'est trop bien. J'allais dire ça dégoûte, mais non, mais c'est super quoi, mais... ah ouais, comment vous avez fait ça les gars? Là j'aimerais savoir, j'ai complètement décroché. Et là l'attraction elle va continuer toute seule quoi. Genre le wagon là il va faire toute attraction sans que je sois dessus, sans que ça fasse de poids. C'est, alors qu'en vanilla c'est pas possible. Oh là là, mais c'est du genre là, attendez, on va se promener, on va voir le minecart. Genre on va le voir après, c'est quoi ça? Toilette. Ah, on va regarder quand même les toilettes. Pour voir si c'est bien fait. Parce que les attractions sont peut-être bien, mais si les toilettes sont pas bien, on va voir chez les femmes. Ça va. C'est propre, ça a l'air propre. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Attendez, je veux voir le... alors attends. Kings Canyon Express, KFC Deadmine. Là, je viens de voir le minecart passer, les gars. Je l'ai vu passer avant, là. Attendez. On va le voir, hein. Ça me fascine. C'est quoi ça, là? Attendez, mais là, il n'y a pas de panneau. Mine, dead mine. Oh, bah, let's go. Let's go pour les mines mortes. Je sais pas où il est, le minecart. Je sais pas où il est, mais ça me fascine. Bref, c'est parti pour les mines de la mort, les gars. Oh là, c'est sympa, quand même. En vrai, ah, mais tu peux le pousser, quand même. Ah, tu peux quand même le pousser. Donc, est-ce que ça va tout fausser? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Mais c'est trop bien fait, regardez comment il part tout doucement. Bon bref. Bon, tout le parc va être basé là-dessus. What? Bon, le bruit un peu relou, mais en même temps c'est bien fait. Bon, il y aura toujours des gars qui diront que c'est pas réaliste, hein. Ouais, le virage, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Non, non, non. Fermez vos gueules. C'est bien fait. Hein. N'hésitez pas en commentaire à donner des notes à chaque attraction que je fais là, du coup. Et à dire ce que vous en pensez en globalité du parc. Et à donner vos avis, vos impressions. Si vous savez comment les mécaniques sont faites aussi, bah je suis preneur quoi. Mais là on va être full bienveillance, hein, parce que clairement c'est super bien fait.
Moi ça me fascine, je redécouvre vraiment l'univers Minecraft hein. Pour moi je suis en Vania donc je comprends pas. Ah c'est fini. Bon la fin elle était un peu rapide tu vois. Ah voilà, il faut bien trouver des défauts les gars. Ah bah du coup, ah ça nous fait revenir ici. Ah bah c'est trop bien. Du coup on va aller à gauche, King's Canyon et Express. Ça me fascine les gars, ça me fascine. Bon par définition on va vraiment pas pouvoir faire toutes les attractions. Mais King's Canyon, bah vas-y c'est parti. Bon en vrai ça va, c'est bien indiqué. Donc oh il y a une tour infernale. Oh lolo. C'est pareil. Ouah c'est stylé. Ah c'est un beacon. C'est pareil, ça on va la faire cette tour infernale, j'ai envie de voir comment ils ont fait. Parce que je suis sûr qu'elle fonctionne et je suis sûr que c'est un truc automatisé aussi. Bon moi ce que j'avais fait sur Tiki Land c'était très bien. Ce que j'avais fait c'était un des meilleurs trucs à faire je pense. Voilà, je tenais à le dire. Mais ça me fait chier de tout recommencer maintenant donc. Wow. C'est quoi ça? C'est King's Canyon. Donc là on va être dans les canyons du roi. En fait, c'est juste un... Ouais, non. Je sais pas. Je vais rien dire. Je vais pas émettre mes hypothèses. Je sais pas comment ils ont fait ça et vous me le direz, donc... Waouh, faut pas avoir la gerbe, hein. Moi ce qui me fascine c'est que tu quittes le minecart et le minecart il va continuer d'avancer. Voilà. Salut. Ah, y a quand même des rails classiques qu'on connaît, les rails boosters, ça va, ça me dépayse pas trop, heureusement. Là, le minecart, il continue tout le temps la même allure sur les rails normaux. Ah bah décidément on se fait mouiller là, on se fait mouiller hein. Ouah c'est sympa. Oula. Les gars je suis trop curieux pour la tour infernale. J'ai trop envie de la faire là. J'ai trop envie de la faire. Bon si déjà Xinox il fait sa pub dans le chat avec un timer, bah je vais faire mon autopub les gars. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch. Oui, enfin Twitch c'est pas un réseau social hein, comme dirait BFM TV, mais enfin. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok, voilà. Et puis voilà les gars, je crois que j'ai fait mon autopub. Ok, sympathique. Et puis mcolo.fr, mon site internet bien évidemment. Et la sortie qui est donc par là, c'est sympathique. Alors attendez, on est où maintenant? Exit, là c'était l'entrée. Ok, bah super, donc on va continuer encore dans cette direction. On va essayer de se faire un peu tout le... On va se faire tout le canyon hein, déjà. Tout Far West. Ah bah il y a 4 attractions. Donc il reste plus que le Express à faire. Et le Express ça doit être... Non ça c'est la sortie justement. Donc l'entrée de l'Express il va être juste là j'imagine. Ah là on a le KFC du coup. Eh en vrai ça va hein. Le parc et tout il est gigantesque. Et on a l'impression qu'il part dans tous les sens. Mais en fait il est très très simple. Et ça c'est cool. C'est parti pour l'Express. L'Express qui me fait littéralement penser, j'imagine que vous aussi, hein, là clairement, ça fait complètement penser à Europa Park, le Vaudan, quand on passe en dessous carrément de l'attraction en bois. C'est trop bien, c'est trop stylé. Ça me fait kiffer ça. Avec la file d'attente à rallonge par ici, on va se permettre de faire la file d'attente à rallonge pour profiter pleinement, voilà. Là, t'imagines tout le bois qui craque et les wagons qui passent. Voilà, c'est juste du génie. C'est exactement le Vaudan en fait. Hein. C'est exactement ça, quand tu passes en dessous, c'est trop stylé. A contrario que tu passes pas à l'intérieur d'une structure, là en l'occurrence. Ok, bah c'est parti. C'est parti mon kiki. Oh, c'est sympathique. C'est très spacieux. Allez, c'est parti.
J'espère que ça va aller vite. Et moi, vous savez que j'adore les attractions où on passe en dessous des structures de l'attraction même. Chose que je fais sur Tiki Land. Salut ! Salut la caméra ! Wow. Donc là, on a un petit village et on n'a pas à aller dans ce village. C'est juste décoratif, on est bien d'accord. Enfin, si, on peut y aller par le petit chemin principal là-bas. Allez, c'est parti ! Wouhou ! Sensation, sensation ! Par contre, le ressource pack des rails, je l'ai reconnu. Hein. Alors ça, si je puis me permettre, je vais donner mon avis. Je trouve ça dommage que ça ralentisse aussi fort. Ils auraient pu mettre plus loin les rails qui ralentissent là comme ça. Enfin, pour refaire remonter. Parce que j'ai compris la mécanique. Même si je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai compris la mécanique du truc. Mais du coup, voilà. C'était moi la notification, les gars, hein, vous inquiétez pas. Wow! Bah, niveau sensation, on est presque sur un Vaudan, hein. Et c'est pas fini! Le mec trop RP, tu sais. Oh, vous imaginez si je pouvais mettre le track hier sur Minecraft? Genre, on me verrait ma tête bouger. Enfin, ça aurait été trop bien. Mais c'est pas possible, malheureusement. Sympathique. En plus, le village à côté, il fait quand même pas mal de charme. Et je pense sur Tiki Land, faut vraiment qu'on fasse ça. Je pensais pas, mais en vrai, on fera un village à côté du Far West. Alors, maintenant, ça fait genre plagiat, mais il y a un endroit où il y a de l'espace. Et là, c'est obligé, faut qu'on fasse un petit village, quoi. Genre, l'espace, il est limite fait pour. Ah, c'est sympa, ça, par contre. Le coup des. Ah, ça, c'est très sympa. Ça, j'aime bien. Par contre, je me prends des dégâts à chaque fois contre les murs. C'est assez pénible. Ok. Bah, super sympa. Super sympa. Ça, je suis curieux de savoir ce que c'est. Maintenant, je vais juste aller, les gars, sur les choses qui m'intéressent un peu, enfin, où je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Non, ça, c'est le KFC. Donc, j'ai envie d'aller voir un peu par là-bas. Et puis, pareil, hein, de toute façon, je pense que ça vous a aussi tapé à l'œil et que vous vous demandez ce que c'est. Donc, vraiment, priorité à savoir ce que c'est que ce truc-là, vert. Et après, voir la tour infernale. Il y a cette attraction ici, là, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est un autre quartier, de toute façon. Si on va là-bas, on va pas arriver sur un cul-de-sac, rassure-moi. Ce serait juste méga chiant. Non mais c'est juste décoratif. Ah ouais, c'est littéralement décoratif. Bah tu vois, ça c'est un truc qui me... Genre le parc est bien fait et il est réaliste, tu vois. Genre tout est réaliste et tout est RP. Mais ça du coup par exemple, autant ça c'est stylé sur Minecraft, je suis bien d'accord. Mais autant pour moi, bah c'est pas réaliste. Enfin c'est pas réaliste. J'ai jamais vu ça dans un parc d'attraction dans la vraie vie, t'imagines la structure. À moins que c'est un truc que j'ai pas compris. Et dans ce cas là, bah déjà je m'excuse. Mais tu vois, ils ont fait, regardez, c'est trop sympa, ils ont fait un tunnel là, un wagon et tout, genre c'est super RP. Mais par contre, il y a ça. Mais qu'est-ce que c'est du coup? T'es sûr c'est pas une attraction? Ça, c'est une attraction? Là, je suis dans un nouveau quartier. Hein. Je suis dans un nouveau quartier. Bah oui, c'est un dragon, non? Un dragon à trois têtes, on dirait. Mais oui, regardez, il y a trois têtes. Ah mais oui, c'est vraiment un truc à trois têtes. Ah oui, il y a les yeux, les dents et tout. Ah. Bon ben pareil, dans la vraie vie, j'ai jamais vu de dragon à trois têtes gigantesque comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, bah c'est vrai parce que c'est quand même vachement colossal. Et justement, je pense que c'est cette attraction Hydra. Où est l'entrée? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Attendez, on va se téléporter directement. Hydra. Hop, on y est. Eh ben c'est parti. Ah ben j'étais passé juste à côté, quel tocard. Est-ce qu'on peut passer par-dessus? Non. C'est dommage. C'est parti pour l'Hydra. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'était... Ouais, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un... Parce que je suis pas sur un serveur, je le rappelle. Oh, mais les gars, mais c'est trop stylé. Mais les gars, je suis dans un monde solo. Je n'ai pas installé de mode. À quel moment il y a ça? Bah, abuse pas, gros. Ah oh, ouais. Vous êtes des dingues.
Oh ouais mon pote. Oh ça va partir en couille. Par contre si ça fait ce bruit tout le truc ça va être chiant. Hein. Salut la caméra. Ah c'est bon. Oh là là mais c'est génial. Ah il y a une grande roue là-bas. Je préfère la mienne. Ah oh là 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 mais c'est incroyable. Et là si je fais shift à mon avis je tombe. Oh trop stylé. Oh là 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 là. Allez. Zébardi. Ça va descendre. Zébardi, Zébardi. Wouh! Ah ouais, c'est trop bien. En vrai, c'est sympa de ouf. J'ai vraiment juste l'impression que je vais me casser la gueule à tout moment. Là, je vais me mettre en vue comme ça, je pense. Je sais pas ce que vous préférez comme vue, les gars. Ouais, on va rester comme ça. C'est vraiment sympa, cette mécanique. Bon, ça fait pas pareil que dans un Minecraft, hein, sur Minecraft, mais... Wow ! Là, par contre, j'ai senti mes pieds toucher le sol, là. Là, j'ai senti le frôlement, et donc l'effet a été bien réussi. Ça m'a un peu... Limite, j'ai levé mes pieds dans la vraie vie, tu vois. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu un mineur, là. Qui s'accroche. Ok. Bon, ça manque un peu de son, quand même. Hein. Évidemment. Peut-être pas non plus tout avoir. Ah là là. Et là, tu t'es en train de manger sur le quartier Far West, c'est super sympa. Là, tu passes devant l'entrée, tu vois, genre les gens qui rentrent et tout, c'est trop bien, c'est trop bien. Là, tu passes par-dessus de la fumée, tu vas sentir un peu de chaleur, là. Ouais, tu passes dans la fumée, pardon. Excusez-moi. Oh, les arbres japonais là-bas. Ah, ils sont sympas, ils sont bien faits. Moi, bon, les miens aussi sont bien faits. Hein. J'ai besoin un peu d'avoir de... Non, parce que là, vraiment, Je suis fasciné, quoi, donc... Et c'est fini. Bonsoir. Ah, c'était sympathique. En plus, le siège, il est tourné dans le bon sens pour les gens. Mais non, mais c'est incroyable. Ok, ah, vas-y. Et franchement, les gars, je suis très, très, très agréablement surpris. Et je comprends mieux pourquoi, dans le mail, Xinox et Apsi Game, ils ont dit de mettre la cam. Ah ouais, vous êtes des génies. Bon, il y a énormément de trucs que j'aimerais faire, mais je pense que ça va être assez compliqué. Moi, je vais vous dire, je vais aller là où je veux. Je veux faire... alors, attends, illusion, non. On va faire horreur. On va faire horreur, mais moi, je veux... Alors, j'imagine que ça s'appelle pas comme... Voilà, ça s'appelle pas pareil, putain. J'aimerais faire la tour infernale, mais je sais pas comment elle s'appelle. Je pense que c'est dans futur. Je suis un génie, l'attraction s'appelle Passenger. Je suis un génie. Voilà, je suis tombé sur la bonne attraction. Je suis un monstre, les gars. N'hésitez pas à mettre en commentaire hashtag génie si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. Ok, bah c'est clairement une tour infernale. Oh là là là. Là en fait on va dans l'espace. Oh là 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 là, c'est incroyable. Allez c'est parti, il manquerait plus que ça tourne sur lui-même et on serait au taquet. Là-bas je reconnais le quartier horreur. Hein. Là-bas c'est le quartier horreur, d'étoiles d'araignée en plus, là-bas je le vois. Magnifique, what the fuck. Ah ça c'est une attraction qui existe déjà. J'avais fait ça à l'époque sur Minecraft. Ouais! Hop là, la petite feinte, ça t'a fait du bien? Eh ben, on va recommencer. Ouais! Allez, on remonte un peu. Un peu beaucoup. Et ça redescend. Tu ressens un peu quand même la pression du bide. Même si t'es sur Minecraft, mais tu ressens un peu le truc. Et en vrai, mais je suis devenu une victime ou quoi? Je vais pas faire genre, hein, je suis pas en train de simuler ou quoi, on se bat. C'est pas le but du jeu, ça sert à rien, mais. Mais je trouve ça trop stylé que tu appuies sur le bouton et ça le fait. Ah ouais, ils le mettent de chaque côté. C'est incroyable. Mais ça veut dire que tu peux faire l'attraction à plusieurs. Mais c'est un truc de taré. Ça veut dire que là, si je le mettais sur mon serveur, j'aurais fait venir BXNO, Firestorm, Anaïs ou Créo. Et puis on aurait fait ça à 4. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Vous êtes des génies, les gars. Vous êtes des génies. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est juste incroyable. Bon, la grande roue, j'imagine. Eh, franchement, manquerait plus. Non, j'y crois pas. Je veux faire la. Je veux... Les gars, je veux faire la grande roue. Alors, ils disent qu'il faut pas cheater. J'en ai rien à foutre. C'est ma vidéo. Je veux faire la grande roue. Si la grande roue, elle tourne. Par contre, je quitte la vidéo. Franchement, les gars, c'est impossible. Ferry Wheels. Alors, les gars, on va essayer d'imaginer, d'accord? On va essayer d'imaginer, mais moi, à mon avis, on va se faire téléporter comme sur Tiki Land. Ou alors, il va se passer un truc avec le minecart. Mais si tout ça, ça tourne, je quitte la vidéo, je fais même pas d'outro. Je lance le pari, les gars. Vous m'en voudrez pas, n'oubliez pas le pouce bleu, mais à mon avis,
Si la grande roue tourne, je quitte la vidéo, je m'en fous, hein. C'est impossible. S'ils ont réussi à faire ça, c'est impossible. C'est impossible. Allez, on y va. J'ai hâte de voir. Je suis assez curieux. Je sais pas comment ça va se passer. Je suis un tocard. Je suis un tocard, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça en vrai. En vrai, voilà. En vrai, je vais rien dire et je vais même pas rage quitter la vidéo parce que je savais que c'était possible. J'avais déjà découvert ça sur un parc d'attractions, du coup, sur Minecraft, on avait vu. Et c'est vraiment super stylé. J'avoue, j'ai rien dit. Mais par contre, c'est super chiant. Là, par contre, je sais comment faire. À moins qu'ils ont pas fait comme ça, mais en gros, du coup, avec les command blocks et les set blocks, en fait, tout simplement. Mais par contre, c'est super. Enfin, c'est gigantesque le système de command block qui est en dessous, par contre. Vraiment juste casse-couille, quoi. Gigantesque et casse-couille en vrai. Donc, jamais d'avis, je le ferai sur Tiki Land. Hein. Mais GG les gars, GG les gars. J'ai rien dit, je vais pas rage quit parce que bah, en fait, c'est totalement faisable et c'est super stylé. Super. Mais attendez, mais du coup, ce qui est super bien fait, attendez, c'est qu'on va pouvoir voir. Voilà. Attendez. Oh là là, ça c'est stylé à voir en vrai. C'est stylé à voir. Oh là là, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique à voir, c'est beau. On est sur Minecraft, quoi. Bon, on est un peu sur du 1 FPS, tu vois, mais c'est normal aussi. Hein. Incroyable. Super bien fait. Limite, c'est ce qu'ils auraient pu faire. Enfin, non, parce que c'est super relou. Je sais que je passe par la file d'entrée, j'en ai rien à faire. Ce qu'ils auraient pu faire, mais c'est encore plus chiant, c'est de faire deux tours. Donc, deux tours, c'est tout le système x2. Et ils auraient pu faire une pause quand on est tout en haut, tu vois, genre un petit temps, tu vois. Et après, ils refont. Mais ouais, c'est déjà casse-couille comme ça. Donc voilà. Mais attends, on a fait deux tours en vrai, non? Non, on a fait qu'un seul tour. Ok, eh ben super stylé. On a fait ce que je voulais faire. Vous savez ce qu'on va faire du coup? On va. Non, non, attendez. Je veux faire le quartier horreur un peu là. Je veux juste faire un peu le quartier horreur, histoire de vous mettre aussi l'eau à la bouche. On fait quoi? Cursed Mansion, Scream Tower. Oh bah, Scream Tower, c'est une tour infernale, mais en version horreur, j'imagine. Scream Tower. Bah, c'est ce que j'avais vu au loin, du coup. C'est ce truc-là. Vas-y, let's go. Let's go, let's go. Il est pas très accueillant, le quartier, par contre. Pour le coup, il est pas très accueillant. Ça fait un petit peu. Bah, c'est un peu le principe d'un quartier horreur, je pense, mais. Allez. Oh, c'est bien fait, ça. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. On peut la faire à deux. Bah, let's go. Hein. Je peux pas rentrer. Ah, à mon avis. Voilà. On peut la faire à quatre, en fait. Ah, il veut pas. Ah, voilà. On peut la faire à 4. Incroyable. Oh, avec les rayons lumineux qui rentrent et tout. Oh, c'est trop stylé, regardez. Oh! Incroyable. Par contre, ça monte méga vite. Waouh, ça fait une pression au cœur un peu. Hein. En fait, ça, clairement, mais la pression que ça te fait. En plus, du coup, tu vois pas dehors. T'as juste vraiment ce ressenti, ce feeling de... Incroyable. Je veux toucher là-haut. Mec, c'est incroyable, insane. Oh non, par contre, ça dans la vraie vie, cette vitesse là, non, me dites pas que ça existe dans la vraie vie en vrai. En vrai, la descente là, mais moi je suis mort. Ah, arrête, ah, arrête, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Les gars, je peux rien dire de plus, c'est juste magnifique. Toutes les attractions, c'est un perfect. C'est un perfect, pardon. C'est un perfect, les gars, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Écoutez, on va passer en mode créatif. On va passer en mode... Ne fais pas ça, c'est interdit, les gars. On se connaît, on se connaît, on se connaît, mais juste pour admirer un petit peu. Ouah, mais c'est trop stylé. Je veux faire ça. Je veux faire ça et après on arrête, les gars. Et après, les gars, je veux que vous téléchargez la map et que vous la découvriez vous-même. Je sais pas, c'est, je sais pas, elle est où l'entrée? Elle est là. Elle est totalement là, l'entrée. Pas du tout. Elle est pas du tout là, l'entrée. Ça, c'est un pont. Ah bah voilà, du coup, elle est là, l'entrée. Treasure Island. Eh bah, let's go. Let's go, let's go. Alors, Treasure Island, c'est dans quel quartier? Treasure Island. C'est dans Pirates. Il y a deux attractions Pirates. Putain, c'est trop bien. Allez, c'est parti pour l'île au trésor. Ou alors le trésor de l'île. Attendez, les gars. Je suis un peu anglais sur les bords. J'ai envie de savoir. Treasure Island. Alors, ça veut dire... Parce que sinon, il y aurait une apostrophe S, Treasures Island, et ça aurait été du coup le trésor de l'île. Mais là, du coup, c'est l'île au trésor.
Je ne sais pas, c'est absolument la même chose. Allez, c'est parti. Allez. Oh, c'est sympa. Ils auraient pu mettre un bateau quand même. Je rigole, c'est super bien fait. Waouh. Waouh. J'aime beaucoup vraiment les trappes sur les côtés, ça rajoute un truc. Ouais, les jets d'eau! C'est des jets d'eau, ça? C'est pas des jets d'eau. Je ne sais pas ce que c'est. Si, c'est des jets d'eau. Je ne sais pas ce que c'est. J'avoue, je sais pas ce que c'était censé représenter. Je suis une merde. Ah, bah, on passe sous l'eau là comme ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Les gars, j'ai hâte d'être l'été. J'ai envie de refaire du Minecraft en mode été avec des mods et tout. Les gars, là, on vous prépare du lourd. Je l'espère en tout cas. Waouh, attends, il se passe quoi maintenant? Ah, mais on change totalement le délire là. Ah, oui, la face cachée de l'île au trésor quoi. Oh, on a trouvé le jackpot! Jackpot, mon pote! J'ai même pas eu le temps de récupérer le diamant. Aïe aïe aïe! C'est carré de ouf! Là pareil, je trouve ça dommage que ça ralentisse d'un coup comme ça. Ils auraient pu mettre plus loin si c'était possible. Après, je pense qu'ils ont essayé, je sais pas comment ils... Wow. Wow, j'adore quand ça passe en dessous du même truc. Mais l'attraction est méga longue. Wow! Mais c'est trop bien fait le frein! Pchut, je viens de comprendre! Ah ouais, non mais c'est juste incroyable. Ah en fait c'est la sortie là. Ah, je suis passé par la sortie pour rentrer, très bien. D'accord, mais c'est par contre ça c'est méga dangereux si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'à tout moment. Ah! Oh non, ça les gars, vous avez pas assuré. Hein. Franchement, mais incroyable, j'ai pas les mots. Hein. J'ai pas les mots. Enfin si j'ai les mots clairement, mais super bien fait les gars. En vrai, vous savez quoi? On va s'arrêter vraiment là. On va s'en arrêter là pour cette vidéo. Et je vous laisserai vraiment découvrir, les gars, parce que je pense qu'ils le méritent complètement, les gars. Je mettrai en lien, en description, le lien pour télécharger la map. Et franchement, les gars, éclatez-vous, explorez cette map. Bravo à vous, Xenox et Apsigame. Je suis désolé, je prononce mal. Xenos et Apsigame. Mais il y a aussi, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans le mail, mais il y a aussi visiblement Serverax. Voilà. Donc, les gars, franchement, GG. C'est super bien fait, là, un petit bateau et tout. Franchement, le parc est vraiment incroyable. Vraiment, vos mécaniques, n'hésitez pas à m'expliquer comment vous avez fait. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, n'oubliez pas le pouce bleu, plein de bisous. Ciao tout le monde!